Allez les gars, j'espère que j'ai un beau yuki, c'est très stylé. Si j'ai la chauve-souris, je suis dégoûté en vrai. Si j'ai la chauve-souris, je suis dégoûté. Dans cette vidéo, il y a un concours pour gagner le nouvel exclusif Purple Cat. La dernière fois, je vous ai fait gagner le Blue Cat du Forever Pack, comme ceci. Aujourd'hui, je vous fais gagner le Purple Cat. Je l'ai acheté à un abonné ultra cher, donc j'espère que vous êtes contents. Et je précise, mais il vaut 5,5 millions de gemmes. Et pour participer, c'est très simple, vous me dites votre couleur préférée et votre pseudo Roblox. Bonne chance! Dans la dernière vidéo, il y avait deux pets à gagner et aujourd'hui, on va tirer au sort parmi tous les commentaires le vainqueur. Donc c'est parti, on met l'URL de la vidéo YouTube, on fait Select Random Comment et le premier vainqueur, c'est Alex. Je participe, mais je sais d'avance que je vais perdre mon pseudo Alexo Lery. Et bah du coup, non, tu n'as pas perdu, tu n'as pas perdu. Bon, c'est parti pour envoyer le premier cadeau. Aucun des deux m'ont dit le pet qu'ils voulaient, donc je vais envoyer dans l'ordre d'arrivée. GG, tu as gagné. Oui, envoyé. Tadam, premier cadeau envoyé. Et c'est parti pour le deuxième vainqueur. Et c'est Sauditeur. Salut, moi je veux n'importe lequel. Ryan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et du coup, c'est parti pour le deuxième qui aurait pu gagner un pets beaucoup plus cher. Mais malheureusement, il n'a pas dit lequel il voulait. Donc, on va lui envoyer le moins cher. GG, tu as gagné. Envoyé, oui. Tadam, cadeau envoyé. Merci beaucoup à tous ceux qui me font des cadeaux. Regardez cet historique incroyable. Oh lolo. Et si vous aussi, vous voulez participer à la prochaine vidéo, n'hésitez pas en écrivant Prince END. Bonne vidéo. Yo les gars, CNC, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Et aujourd'hui, les gars, on va s'ouvrir des petits Zype Eggs. Parce que je les ai gardés depuis très longtemps. Et de base, ce que je voulais faire, les gars, c'était les garder pour les vendre. Parce que je me rappelle que les Hype Eggs, les gars, ils étaient montés au maximum... Je crois à 3 millions de diamants. Sauf que là, depuis 2 semaines, ils sont pas montés au-dessus de 800 000. Donc, je voulais les vendre de base. Mais regardez, là, j'en ai 130, ça vaut 70 millions. Franchement, c'est pas rentable en vrai. Pour un petit joueur, en vrai, ça peut être rentable. Si vous vendez vos œufs, vous pouvez faire 10 millions, 20 millions. Mais du coup, ouais, c'est pas très rentable. Et j'ai vu les chances sur Twitter. Apparemment, c'est une chance sur 16 000 pour avoir le huge dragon. Donc, on va tester ça tout de suite. Et c'est parti. Du coup les gars, on va en ouvrir un max, et si j'en ai pas, si je n'ai pas le huge, on ira dans les Trading Plaza pour essayer d'en acheter. Donc voilà. Ok, c'est parti, premier rouleau, on n'a rien eu. On va peut-être devoir aller dans la Trading Plaza pour en acheter d'autres, mais bon, on croise les doigts. Hein. Et puis peut-être un Titanic, on sait pas. Non j'avoue, le Titanic, j'y crois même pas, c'est impossible. Mais juste un petit huge dragon, je serais très 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 content. Un petit huge dragon, ce serait très très bien. C'est l'objectif du jour en tout cas. Allez, c'est parti. On en a déjà ouvert pas mal. Il en reste encore 100. Ça va. Allez, allez, allez. Ok. Non, toujours rien. Je me demande si j'irai en racheter ou si j'attendrai la prochaine mise à jour pour en avoir gratos. C'est une bonne idée aussi. Très bonne idée. Ok. Et non, toujours rien. Ça m'a l'air plutôt compliqué, hein. Oh, eux, ils se sont packés comme un truc de pro. Ça se voit, on va l'avoir. Ok, un charme. Ok, bon. Pas dégueu, pas dégueu. Purée, il en reste encore 80. Ça part tellement vite. Allez, un petit dragon. Oh, c'est trop dur. C'est trop trop dur. Allez, on a encore 9 fois à ouvrir. Enfin 10 fois si on compte celui-là. Allez. Mec, en vrai j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout. Je pense que c'est pour ça qu'ils se vendent pas cher les œufs. Parce que c'est quand même des œufs les gars. Où vous pouvez avoir un Titanic. Je sais pas si vous vous rendez compte. Certes, le Titanic il est pratiquement improbable et impossible à avoir. Mais il y a quand même un Titanic dedans. Donc c'est pas normal qu'ils se vendent si peu cher. Genre 500 000 gemmes les gars. Pour un œuf avec possiblement un Titanic. C'est vraiment pas cher. Hein. C'est franchement vraiment pas cher. Mais bon. C'est comme ça. Ok, on continue, on continue. On ouvre tout. Allez, un petit dragon. Je demande pas un Titanic, franchement. Honnêtement, je demande pas un Titanic. Je demande juste un petit huge. C'est tout ce que je demande. Juste un little minuscule petit huge. Très mignon. Un joli dragon. Allez. Aïe 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 aïe. Me dis pas qu'on va devoir en rouvrir quand même. Me dis pas que je vais devoir en racheter. Je crois que je vais devoir en racheter.
Allez, allez, allez. Oh purée de pomme de terre. Allez, encore 3. 3 fois. Non, même 5 fois encore, attends. On est à la moitié là. Ok, une petite potion, des drapeaux éclatés. Allez là. Allez, allez. On peut le faire. On peut le faire. D'ailleurs, je me demande, est-ce que les chances, elles sont définies aléatoirement? Je pense que oui, en vrai. Ou alors, j'avais une autre hypothèse, les gars. Est-ce que c'est défini par l'œuf? Par exemple, admettons que dans mon œuf, il y a un huge garanti, tu vois, et que je le donne à quelqu'un. Est-ce que la personne aura le huge vu que c'est garanti dans l'œuf? Ou alors, c'est 100% aléatoire? Et si c'est 100% aléatoire, eh ben ça dépend. Bon bah les gars, on a tout ouvert, on n'a rien eu. On va du coup aller dans la Trading Plaza. Je vais en acheter un maximum et puis je vous retrouve juste après. Ok les gars, je suis à moins 110 millions de gemmes. Et du coup c'est parti pour s'ouvrir des petits œufs. J'en ai 208, donc c'est parti, let's go. Allez les gars, il nous faut un huge. Ou un Titanic aussi, pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas un petit Titanic? Qui dirait non à un Titanic? En tout cas, on en a plein, plein, plein à ouvrir. Et dans la Trading Plaza, j'ai acheté plein d'œufs. Allez, en vrai, les gars, si je l'ai pas, je pense que je suis dégoûté. Je pense que je serais dégoûté. Oh. Oula, il y a un gros monsieur qui est apparu. Alpha Skibidi Toilette. J'ai cru que c'était un Titanic carrément. Mais non, c'était pas du tout un Titanic. C'était même pas un huge. C'était juste un mec. Ok. Toujours rien. On continue. Je suis sûr qu'on va rien avoir en vrai. Pourtant 500 000 gemmes, c'est pas si cher que ça, tu vois, mais je peux pas en acheter à l'infini en fait. Je peux pas en acheter à l'infini. Allez, la purée de pommes de terre. Sur la Trading Plaza. Mec, j'ai tellement rien à voir. Faut pas abandonner, faut y croire. Déjà, si le mec il voudrait bien arrêter de mettre tous ses pets moches sur mes œufs, ce serait sympa. Merci bien, mon gars. Allez, allez, encore, encore. Mec, je vais jamais l'avoir, ce huge dragon. En plus, les chances elles sont pas si folles, hein, les gars, je vous promets. J'ai regardé sur Twitter, c'est une chance sur 16 000, je crois. C'est pas une dinguerie en vrai. Tu vois, il y a des huge qui sont beaucoup plus rares que ça. Mais bon. Allez là. Allez, même un Titanic, ça serait incroyable. Non, un Titanic, ça serait trop incroyable. On peut pas avoir un Titanic. On peut avoir à la limite un petit huge peut-être. Mais pas un Titanic. Allez là. Tout le monde veut que j'ai un huge dans la Trading Plaza là. Go, go, go. Je crois que je vais désactiver les pets des gens. T'en bougez pas. Je vais désactiver leurs pets parce qu'ils sont déjà de 1 très moches. Et de 2, bah ils me gâchent toute la vue quoi. Allez, go, go, go. Oh purée. C'est impossible ou pas? J'en ai déjà ouvert plus de 100 les gars. Wow. J'en ai déjà ouvert plus de 100, j'ai rien eu. Il en reste encore 100. Je crois que je vais devoir encore acheter 96 millions de gemmes. Je crois que j'ai pas trop le choix là. Je vais devoir dépenser toutes mes gemmes. Allez. Mec, c'est impossible si je l'ai pas. Mec, au moins un petit huge dragon s'il vous plaît. Même en normal, peu importe, je m'en fiche. Ça me dérange pas. Oh purée, des pommes de terre. Mec, je vais jamais l'avoir. C'est sûr, les gars. C'est sûr. J'aurais jamais dû mettre tous mes gemmes dedans. Bon, au moins, ça vous fait une belle vidéo. Ça vous fait une belle vidéo. Et ça vous montre ne pas acheter les high pegs, les gars. Si vous avez vraiment de la chance, ça peut être pas mal. Ça peut être rentable. Mais si vous avez pas de chance comme moi. Ah bah c'est pas rentable. Croyez-moi. Ah, c'est pas rentable du tout. Allez, 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 allez. Il y a deux mecs avec moi, je les connais pas du tout, c'est juste des randoms qui se sont dit, oh lui c'est un petit pigeon, il a plein d'œufs.
Ils ont bien raison. Ah, purée la pomme de terre. Mec, si je l'ai jamais, c'est impossible. Ils doivent penser que j'ai des jeux illimités. Allez, allez, allez. Toujours rien, ok. Il m'en reste 30. Allez, le dragon. Toujours rien. En plus, c'est même pas rentable. Parce qu'on gagne que des items tout pourris là. Regardez-moi ça. Ok. Des charmes moches. Allez, allez, allez. Je crois, les gars, je vais. Oula, il me fait peur lui. J'ai cru que j'avais eu un huge de fou. Mais non, c'était encore un gros carré. Un gros carré Roblox. Bon bah les gars, rip, 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 rip. J'ai plus rien. Ok les gars, j'ai actuellement 0 diamant et j'ai acheté 172 œufs. Bon, je crois que je les ai trouvés un peu plus chers que d'habitude là. Normalement, ils sont un peu moins chers. Mais bon, c'est pas grave. J'en ai acheté beaucoup à 550 000, c'est pour ça. Alors que de base, j'en trouve à 500 000. Mais bref, on espère avoir toujours pareil. Le petit huge. Parce que le Titanic, c'est un peu abusé. Mais si jamais on a le Titanic, je crie partout. Je crie dans toute la baraque. Si vous voyez ce que je veux dire. Allez, allez, un petit huge, un petit huge. Ok, toujours pas. Allez, 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 allez. En vrai, j'y crois. J'y crois pas, j'y crois pas. Bah, un petit peu en fait. Je me dis, avec un peu de chance, tu vois. Il y a des gens, des fois, ils ont des Titanic Rainbow. Donc, je me dis, avec un peu de chance, un petit huge, voilà. C'est pas si pire en vrai. Ça devrait aller. Surtout quand t'as mis toutes tes gemmes dedans. Ça serait plutôt sympa d'avoir un dragon. Purée, mec, c'est trop impossible, je vous promets. Allez, s'il vous plaît. Oh mec, regardez là tous ces petits noobs avec leur overboard. Et moi, je n'ai pas de huge. On continue. Allez, 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 allez. C'est le moment. Oh, il m'a dit good luck. Il m'a dit good luck. Il m'a dit good luck, mais bon, là c'est good au cul. C'est pas de luck là. C'est bad luck. Bad luck. Allez, allez, allez. Purée, c'est triste parce que je vais devoir attendre la semaine prochaine pour avoir des high pay gratos. Vu que j'ai plus de gemmes, bah voilà. Allez, s'il vous plaît, le petit huge. Enfin, je vais commencer à chanter, les gars. Vous allez me dire, tais-toi, s'il te plaît, arrête de chanter. Ouais, 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 ouais. Et que dalle. Mec, un Titanic, ça serait trop bien. Non, j'abuse, j'abuse. Le huge, déjà, ça serait trop bien. Juste un petit huge. Toujours pas. Purée, il nous en reste que 60 déjà. Mec, c'est impossible. Mec, c'est impossible. On a eu un charme, j'ai vu, mais bon, on s'en fout un peu. Oh, mec. Oh, un charme glittering. Glittering, c'est bien en vrai. Bon, ça vaut que 20 000, mais c'est pas grave. Juste parce que moi, je les aime bien. C'est mes charmes préférés, alors que bon, c'est pas les meilleurs, quoi. Ok. Toujours rien. On continue. Oh, c'est impossible. Ok. On continue. Bon, là, il nous en reste plus beaucoup, hein. Donc ça m'étonnerait hein, qu'on ait un truc de ouf. Un sprinkler, un lucky block. Purée de pommes de terre. Purée de pommes de terre. Oh mec, ça serait tellement incroyable. En plus il y a du monde là. Ça serait trop stylé. Bon bah les gars, c'est fini.
C'est fini, malheureusement. Big rip. Big rip. Bon, on aura tout donné malheureusement. Ça n'aura pas payé. Dommage. Bon les gars, il y a des abonnés qui m'ont envoyé quelques iPegs, donc on va les ouvrir vite fait. Hop, c'est parti. Let's go. On sait jamais, je filme au cas où les gars. Hein. On sait jamais, à tous les coups, il peut y avoir une dinguerie. Et attention, malheureusement rien. Et il en reste encore deux. C'est parti. Les deux derniers, les last, the last of the last. Attention. Et non. Dommage, on n'aura rien du tout. Ok les gars, on est avec Tevi dans la Trading Plaza. Il m'a vendu ses petits iPeg pour 12 millions au lieu de 14 millions. Donc bon, 2 millions de bénéfices, c'est quand même pas mal. Et donc c'est parti pour ouvrir les petits iPeg. Et j'espère qu'on va avoir le huge parce que sinon je vais pleurer. Allez, c'est parti. Hop. Et le dernier. Allez. Allez, s'il vous plaît. Non, mec, s'il te plaît, le huge. Le huge, le huge. Non. Non. Non, pourquoi moi? Ok, les gars, c'est parti. On va ouvrir 20 iPeg en plus. J'en ai acheté pas mal. Donc, c'est parti. Allez. J'en ai acheté, du coup, une vingtaine. Et pour l'instant, que dalle. On continue. Purée de pommes de terre. C'est les 20 derniers je pense. Après je vais arrêter d'en acheter parce que ça coûte un peu trop cher. Et on va attendre les mises à jour. Ok, rien du tout. Et il en reste combien? Il en reste 4. Oh mec, il n'y a tellement plus rien. Et rien. Et bah c'est super. C'est super. Bon les gars, après avoir ouvert tous mes œufs qui étaient tout pourris, j'ai décidé que j'allais ouvrir mon œuf de huge parce que il vaut 160 millions et en vrai c'est pas très cher. Je crois que le prix il fait que de baisser. Donc au lieu d'avoir un item qui est pas très cher en gemme, je préfère directement l'ouvrir et c'est parti. Allez les gars, j'espère que j'ai un beau huge, c'est très stylé. Si j'ai la chauve-souris, je suis dégoûté en vrai. Si j'ai la chauve-souris, je suis dégoûté. Bon, allez hop, c'est bon.